Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez savoir quel onglet utilise le plus votre débit internet sur Google Chrome. Pour ce faire, rendez-vous sur le navigateur internet et lorsque c'est fait, vous allez sur les trois petits points en haut à droite de la page, vous cliquez sur plus d'outils et puis vous ouvrez le gestionnaire des tâches. En effet, vous connaissez sûrement le gestionnaire des tâches de Windows, mais il faut savoir que Google Chrome a également son gestionnaire des tâches. Comme vous le voyez, on retrouve juste ici les processus avec donc le réseau utilisé. Lorsqu'on clique sur réseau juste là, eh bien vous triez les processus par réseau. Comme je ne fais rien pour l'instant sur mon navigateur, eh bien mes processus n'utilisent aucun réseau. Maintenant, si on vient ouvrir un speed test et qu'on clique donc juste ici sur Go pour pouvoir exécuter le speed test et qu'on retourne sur le gestionnaire des tâches, eh bien on voit que si on retrie par réseau et qu'on va tout en haut de la page, eh bien c'est bien l'onglet de speed test qui consomme le plus de débit internet. De cette manière-là, on a donc trouvé quel était notre onglet qui dépensait le plus de débit internet. Maintenant, si on souhaite le fermer, on a tout simplement besoin de cliquer dessus, puis faire arrêter le processus. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.